Vous m'entendez maintenant là? Adam, on peut faire ça. Vous m'entendez maintenant? Ouais, c'est pas possible. Les histoires de technologie, si c'est grave, hein? On va s'en sortir. Adam. Là, je mange tard, mais j'ai reçu un coup de fil vraiment très important que je ne pouvais pas faire autrement. Mais j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Je me suis dit, n'importe comment, il faut qu'on mange ensemble parce que je vous avais promis. D'accord? Donc, je suis revenue là. Notre poulet, il y a ça qu'on a eu à faire. J'ai pris un peu de riz. Vous voyez, non? C'est ça ici, là. Donc, on va manger ensemble, non? N'est-ce pas? Voilà. On demande au Seigneur déjà de bénir le repas, bénir la personne qui a eu à préparer et bénir celle qui va manger et ceux qui vont manger avec moi en esprit, d'accord? Et donner à ceux qui n'en ont même pas du tout. OK? Voilà. Donc, normalement, je devrais déjà aller au lit. Hein? Vous voyez un peu, non? Mais comme je vous ai promis, c'est pour ça que je viens manger avec vous. D'accord? Donc, souhaitez-moi bon appétit. C'est pas grave. Nous, en Afrique, on mange à n'importe quelle heure. Même si c'est minuit, même si c'est 1 heure, même si c'est 3 heures du matin, on mange. Vous voyez un peu. Mais je ne veux pas qu'au réveil, que je me sente mal. Ou alors que je ne puisse pas bien dormir. Ce que je vais faire, je vais prendre, je pense, un thé. Hein, qui va me faire bien digérer. Mais je vais pas bien dormir. C'est ça, c'est certain. Mais comme je vous ai promis, je viens quand même. D'accord? Mais ceux qui te regardent manger doivent être bénis. Exactement. Voilà. Voilà. Ceux qui me regardent aussi doivent être bénis. Parce que là, on va manger ensemble. Moi, je vais manger et vous, vous allez avaler. Même si vous n'avalez pas la même chose que moi, vous allez avaler la salive. Mais Dieu doit vous bénir aussi. C'est-à-dire qu'en avalant, ça doit être le genre comme si vous étiez en train de manger ce que je mange. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc. Vous savez que en Afrique, nous, on mange vraiment le fait de manger avec les mains là. C'est tellement bon. Ça donne encore plus de goût. Là, j'ai mis un peu de piment à côté là. J'ai eu le temps de faire cuire le piment. Je vais l'écraser demain. Adama, Sénégalais là. Mangez bien. Mangez trop bien. Bon. Même quand vous avez la coupe, regarde tout là, comme si le Sénégalais là, ça crie sur vous, hein. Vous n'avez pas bien tourné le yassa là, hein. C'est bon, hein. Je vous dis que ça a un autre goût, hein. Le poulet qui a été mariné, mis au four. Et puis tu le refais cuire derrière. C'est une tuerie. Vraiment. Ma mère qui nous. On était en train de dire que la bouche qui mange là ne parle pas. Non. Mais je ne vous dis pas. Ça, c'est le meilleur, il y a ça. C'est-à-dire que vous,
vous avez mis. Du chien. Il y a tout votre amour dedans. On ne ment pas. Je ressens tout votre amour là-dedans. Vous savez que la cuisine. Adama, il faut être patient. Et quand tu prépares. Avec un cœur posé. Réceptif. On ne dit pas. Seigneur, merci pour ce repas. Merci pour mon étudiant qui m'a aidé à faire cette cuisine. J'aurais bien voulu que ce soit là, que nous mangeons ensemble. Mais là, c'est moi qui profite de ce bon repas. Attends. Vraiment. Au goût de ça, c'est trop bon. Savoir, tu poses la question. Marie, combien de glaces? Normalement, ça mérite une bonne petite bière. Une bonne petite bière. Non, quand tu manges avec les doigts, le goût. Le mélange de ma nourriture. C'est trop bon. Aïe, 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 aïe. Aïe. Avec les oignons qui craquent un peu. Vous avez vu, non? Les oignons là. Ça craque un peu, ça fait crache, 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 crache. Avec ce petit côté acidulé et tout. Oh, le poulet là, il est bien moelleux. Oh. Ouais. Gris blanc là, ça monte là. Gris blanc, ça c'est là. Demain le goût sera encore meilleur. Ma sang. On dit que les oignons là. Oh, j'ai oublié de prendre les olives. Elle a fini de servir. Elle servit. Le mélange pas avec. Les oignons. Aïe. Mamie est bien partout comme une. Vas-y, pas. Mamie est repartie au Cameroun. La pépette l'a accompagnée. Elle est rentrée. On fait des tas. On fait des tas. Ça, c'est pour Rosie Pat. Ça, c'est pour Christine Jenny. Merci. Ça, c'est pour ma mère Kino. Qui encore? Mary Gabi. Ça, c'est pour toi. Qui encore?
Marvel Lunier, ça c'est pour toi. Bernadette, ça c'est pour toi. Rosie Patcha, d'ailleurs, t'as pas ici. Angela, ça c'est pour toi. Glory, ça va? Mon professeur, ça c'est pour toi. Indy, voilà, ça c'est la dernière part. Et pour tous les autres, on va se partager le poulet ici. Comment? Ouais, tu viens profiter vite là. Regarde-moi ça. J'enlève les morceaux là. Bernadette, là, ça c'est pour toi. Mary Gabi, tu as déjà pour toi, non? Annie Ngan, ça c'est pour toi. Nathalie Ebene, ça c'est pour toi. Béatrice Kofi. Jacqueline Petit, c'est pour toi. Tout le monde a un peu. Marvel, Kiemlos. Pingui Pingui Pongon. Ça c'est pour toi. Comment la bière? Ça c'est pour toi. Ceux qui ont beaucoup là, on va partager hein, parce que tout le monde doit manger. De Joanne, ça c'est pour toi. Sandra Almond, ça c'est pour toi. On partage. Voilà. Voilà, tout est grâce, ça c'est pour toi. L'os, attendez. L'os, t'en vas. Regarde en bas là. Il y a les canettes, s'il te plaît. Voilà. Et ça, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien là. Et on va faire. Afrika, Afrika, non, et Morania, un soir, quoi, banan, ping, pang, poum. Glory, je t'ai à donner. Annie Graspot, c'est toi qui as l'os. C'est toi qui as l'os. Donc, je mange pour chacun. Considérez que c'est vous qui mangez. À manquer, mince, manquer arrive quand l'os est fini. Je sais que tu as quand même les dents solides. Manquez. Il y a les gens qui sont là, qui aiment, qui attendent souvent les os. Vous connaissez les gens là, non? Tellement c'est bon. Donc, quand tu as fini de manger, si toi, comme les blancs là, les blancs, eux, ils sont là. Lui, il mange seulement la chair. Donc, il laisse l'os. Donc, moi, je suis là souvent, je récupère les os que par mes songas laissent. Est-ce que vous voyez un peu les gens là? Donc, manquez. Toi aussi, tu peux être comme ça, non? Tu vois, non? L'os là. T'as pas de folie. Lumière océane. Comment tu l'as si sous? Et si tu es au boulot. Donc, manquer. L'os là. Tu comprends, non? L'os. Tu vois, non? L'anatomie de l'os là. Il y a encore le cartilage ici en haut. Le cartilage là, c'est très bon. Tu vois, non, à manquer. Donc, il y a les gens qui ont encore les dents solides là, qui n'ont pas besoin de porter le dentier comme les nous autres, comme ça, que si tu fais le genre, tac, attention, attention. D'autres, ils attrapent, ils font ce genre, tac, ils commencent à mâcher, comme si c'était la viande. Donc, manquer, si tu veux bien l'os, tu vois un peu, non, c'est encore sucré. Parce que les blancs, ils mangent comme ça. Hein. Ils vont seulement là, comme ça, là. Par exemple, Sunga, il est capable de laisser comme ça, là. Il fait comme ça, après, c'est terminé. Je passe souvent encore derrière ces os-là. Ça. Madame, mes dents ne sont plus solides. Moi, je vous dis la vérité. Ça, c'est pour qui? On a dit que ça, c'est pour qui ici, là? Ou bien vous êtes tellement nombreux. Vous êtes combien, là? 241. On peut compter les grains de vie comme ça pour que chacun ait au moins, n'est-ce pas? Comme on a cuisiné ensemble. On fait par 10. Dix, vingt,
40. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Voilà. Vous êtes 261. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Je ne sais pas quoi compter ça, non. 90. 100. Voilà. On est à 200. N'est-ce pas? Vous avez mis combien? 261. 10. 20. 30. 40. 50. 60. Voilà. 61. Je mets même encore jusqu'à... Pour ceux qui vont venir derrière. 70. 80. Parce que quand je finis le direct, ils viennent souvent encore. Il y a d'autres qui viennent souvent guetter. Pour eux, là aussi, on pense à eux. 80. 90. 100. Voilà. Et ceux qui sont arrivés derrière et tout ça là. Allez. Tout le monde a eu. On est comme ça, on est bien ensemble. Vous n'avez pas dit là que je ne vous ai pas donné. Je ne sais pas bien. Les mensonges. Ça, c'est pour ceux qui vont arriver derrière. Pour ceux qui guettent souvent à la fenêtre là. Parce que ça va, il y a la question là. Ils ne réagissent pas. Ils guettent à travers la fenêtre. Vous aussi, vous êtes dedans. Oui, il me plaît. Honnêtement, le riz est bon avec les deux. Ah, non, comme ça. Non. Voilà, vos fournis tombent. Ça va être soigné. Big up à tous les Sénégalais là. Aujourd'hui là, c'est votre plat que j'ai fait, les Sénégalais. Vous avez perdu. Vous avez laissé partir la coupe. Pas grave. Le Yassa là, le monde entier a vu. Vous êtes les meilleurs au bout de ça. J'étais piloté aujourd'hui par les Sénégalais. Sénégalaise. Adama, même pas un grain d'idée.
Là, c'est bon, hein. On ne fait pas semblant. Est-ce que vous voyez un peu? Ne vous inquiétez pas, je vais me laver les mains tout à l'heure. Quand c'est bon, c'est aux gens, quand même un grain de riz. Et qui... Toi, le riz, si jamais. Après avoir... je vous dis que... C'est moi qui vais souffrir après. Exactement là. Vous me regardez comme ça, comment je suis en train de manger. C'est moi qui vais souffrir tout à l'heure. S'il te plaît, tata, Diane Landrine, dis à ton fils Alain de te donner les petits-fils. Ma petite sœur a 25 ans. Elle recherche un homme avec qui construire sa vie. Elle est tellement maternelle et respectueuse. Tu veux m'offrir une belle fille, c'est ça? Une belle fille. Bon, maintenant, est-ce que ça va... Alain est toujours en Centrafrique. Hein? Alain est toujours là-bas. Hein? Quand même, une bonne petite bière. On va couvrir le tout. Si je dois rôter, je rôte une fois. Et comme j'aime péter, je vais péter une fois. Ah, bah oui, cette nuit-là, ça va être... Non, 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 demain, on va se taper. Et puis, il faut que tu ailles te coucher. Là, il est extrêmement tard. Là, tu as profité du coup de fil que j'avais là. Normalement, non. Non, non, non et non. Et ça, tu as profité et j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Alors, tu me donnes un verre d'abord, s'il te plaît. Donne-moi un verre. Parce que là, dès que je vais couper la caméra, comme tu vas rien comprendre tout à l'heure ce qui va t'arriver. Parce que ça va être rapide. Tu vas aller au lit, mais... Comme tu vas rien comprendre, donne-moi un verre. Bien sûr, la bière qui va avec, comment? Je ne peux pas manger une bonne nourriture comme ça, là, sans manger. Donc, normalement, j'aurais dû prendre un bon petit vin. Mais le vin ne passe pas cet hiver, je ne comprends pas. Le vin ne passe pas cet hiver. Il fait comme ça, hein. Là, il est en train de profiter. Normalement, il serait déjà au lit. Mais là, il est en train de profiter. Vous voyez? Les ombres que vous voyez là. Ce qui me fait les grimaces. Mais c'est demain matin qu'on va rigoler. Parce que pour le réveiller, le matin, c'est tout un calvaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et les enfants comme ça. C'est tout un calvaire. Donc on va bien rigoler demain matin. La mère, c'est le Wanda. Elle prépare et mange avec appétit. Confiance. Ce n'est pas le poison. Jamais. Si tant que tu ne profites pas de ta nourriture, Adama. Moi, je suis pas, je fais pas semblant. Hein. Je vous dis, et là, j'ai mangé tard. Parce que vraiment, j'avais encore le temps. C'était 21h et quelques heures avant même. Quand on s'est séparés, n'est-ce pas? J'avais le temps de manger et de digérer à l'heure si j'allais me coucher. Mais ça va être décalé encore d'une heure. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un coup de fil, mais franchement, très important. Si je vous dis ça, très important. Franchement. Et je suis restée au téléphone. Mais comme je vous avais déjà promis, je n'allais pas faire genre... Et puis, je viens plus tout le temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est important. Je viens plus tout le temps. Donc, quand je vous dis, il faut que... franchement. Et là... Vous avez vu comment j'ai mangé, non? Je ne fais pas semblant. S'il y avait quelque chose à corriger, on allait corriger ensemble. On allait vraiment corriger ensemble. C'est moi qui goûte. Et comme j'ai ce truc-là, vous voyez un peu, non? J'ai ça, je connais. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, franchement, je vous dis, je ne fais pas semblant. Je n'ai pas besoin de venir faire semblant ici devant vous. Parce que ça me sert à quoi? Je te dis, tu nous manques. Rosie Pat. C'est bien comme ça, de temps en temps, vous me cherchez un peu partout. Et là, vous voyez que vraiment, je suis importante. C'est pour ça que je dis à chaque fois maintenant, quand je vais faire un direct, tout ce que je vais vous demander, parfois je vais même faire des directs, je ne serai même pas obligée de le dire. Mais c'est bien de partager. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous partagez ce que la personne fait. Je ne vais pas vous manquer, mais quand je viens en direct, vous ne partagez pas. Comment est-ce que vous allez exprimer donc vraiment ce besoin, ce manque-là? Comment vous allez l'exprimer? C'est justement en partageant. Donc, plus vous partagez, plus ça me donne aussi envie de venir. Et là, je sais que oui, il faut que je vois, j'ai mes gens qui sont là. Et comme j'ai dit que je développe ce nouveau concept, c'est-à-dire qu'on cuisine ensemble. Vous me dites ce que je dois mettre, ce que je ne dois pas mettre. Après, il y a des ingrédients, il y a des condiments, il y a des trucs. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je prépare la base et après, mais on compose ensemble. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Là, ça fait que tout le monde est actif et il y a de la réaction dans le direct. Et on voit vraiment que vous êtes là. Pas que je viens, je commence à parler, ça c'est quoi? Je suis devenue folle. Non, moi, je ne veux pas devenir folle. Qu'est-ce qu'il y a?
Je vais pas devenir folle. Vous voyez un peu, non? Non, 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 c'est vrai. Il y a quand même des choses que, à un moment donné, c'est lassant. Moi, j'en ai marre de venir comme ça, venir faire le guignol. Donc, moi, j'étais déjà ridicule, si vous voulez. Maintenant, si vous voulez me donner encore cette envie de revenir en direct, hein, de me mettre devant vous, peu importe comment je suis, parce que moi, je ne suis pas limitée au fait qu'il faut d'abord aller mettre une perruque ou un rouge à lèvres ou un ceci, ça, franchement, je ne suis plus à ce niveau. D'accord? Parce que ces gens-là, même qui forcent même tous les jours, il faut voir comment ils souffrent. Moi, je vois, c'est des choses que je vois. Ils souffrent pour venir se mettre en direct. Et donc, le bling-bling, moi, je suis pas là-dedans. L'autre fille est où? Elle est sortie. Elle était au Cameroun, là. Elle a fait un tour éclair au Cameroun. Elle a accompagné sa mamie. Elle est revenue. Depuis, je crois, c'était mardi ou mercredi dernier. Mercredi dernier, ouais. Eh bien, ça fait une semaine qu'elle est là. Vraiment désolé du silence hein, trop d'urgence dans le quotidien. Eh ben oui, Adine Pira, tu n'as pas à t'excuser parce que moi c'est pareil, tu vois. Daniel et Yenga, merci. À la vôtre, mais j'ai oublié même. Ceux qui n'étaient pas là, mais au moins on peut partager ensemble, d'accord? On fait santé, tchin. Voilà, avant d'aller dormir, ok? Comme ça on va dormir sur ce bon verre de bière là et tout ça, et puis. Voilà. À la photo. Vraiment, quand tu bois une bonne bière comme ça, plein de bonne nourriture. Oh, Seigneur. Aïe, le goût de ça, c'est pas possible. Je tape comme ça là parce qu'il faut que ça pénètre bien partout. Ça dit que c'est descendu là comme ça. Ça arrivait à la plante des pieds, c'est remonté. Donc ça m'a fait un choc. Vous voyez un peu, non? Donc je tape comme ça là pour remettre tout en place. Parce que c'est tellement l'émotion, tout ça là, c'est mélangé. Aïe! À ta main. C'est pas possible. Il faut savoir apprécier. Il faut savoir apprécier les bonnes choses. Les gens meurent tellement, il y a trop de problèmes, il y a trop de trucs bizarres, il y a trop de. Il faut prendre le plaisir. Dans tout ce que tu fais, prends du plaisir. Donc là, comme c'est arrivé que c'est dans la nourriture, Adama, je prends du plaisir. Là, j'ai bien mangé. Rien à foutre de ce que. Oh, tu manges avec les doigts, tu manges avec les yeux. C'est ton problème. Je n'ai pas besoin de te montrer que je sais manger avec les couverts et tout. Prends ça comme tu veux là-bas, mais le riz, surtout le riz blanc là. Je vous dis que le riz là, est bon. Le riz est bon. Oh, merci pour la personne qui m'a donné l'astuce de mettre les clous de girofle là-dedans. Le parfum de ça. J'ai mis 3 clous de girofle dans un petit riz comme ça. Je dis que le parfum de ça dit, oh, c'est pas possible. Donc, merci vraiment à la personne qui m'a donné cette idée, cette astuce de mettre 3 clous de girofle dedans. Permettez-moi, parce que là, ça va faire un genre. On ne perd pas ses habitudes. Hein. Ok, d'accord? Celui qui n'est pas content, il se désabonne de la page. Hein. Moi, c'est Tata Doudou, donc je ne vais pas changer parce que je veux faire plaisir ou je veux copier les autres ou je veux faire comme les autres et tout, 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 tout. Dans les réseaux sociaux, ici, il y a de tout. Donc, moi, Tata Doudou, si vous voulez me voir, je suis comme je suis là. Vous allez me voir comme je suis. Est-ce qu'on est clair? Are you clear? Une bonne petite bière bien fraîche après un bon petit repas comme ça, je vous dis pas. Moi je vais ronfler hein. Avec le petit vent qu'il y a en ce moment. Il pleut, il fait froid et tout ça. Moi je vais bien dormir hein. Et ma couette elle est bien chaude et mon lit est bien dressé. Hein. C'est quelle marque ton riz? Alors c'est Lotus. Lotus, on trouve ça chez les Chinois ou les commerces exotiques là, d'accord? On trouve ça là-bas. Donc la marque Lotus, moi c'est ce que je prends. Le riz, non seulement c'est parfumé, vraiment, et ça cuit bien. Vous voyez un peu, non? Ça cuit très bien.
Franchement, là, je viens de manger là. Ça a bien cuit. C'est... Oh! Moi, la technique pour faire cuire le riz en forme rapide, comme vous m'avez vu faire là. Pas sophistiqué, mais rapide, comme vous m'avez vu faire. C'est que tu mets ton riz. Si tu veux, tu laves. Si tu veux, tu laves pas. Parce qu'il est déjà parfumé. D'accord? Donc, là où tu as mis ton riz. Pardon. Si ton riz est là, à cette hauteur. D'accord? Si ton riz est là, à cette hauteur. Tu rajoutes l'eau, juste comme ça. D'accord? Tu rajoutes l'eau, juste comme ça. Voici ton riz et voici l'eau. D'accord? Tu l'assaisonnes simplement. Moi, je l'ai fait simplement. Vraiment, ça, c'est un mode rapide. Hein. Faut pas se prendre la tête. Tu mets ton sel et les clous de girofle. Ça, c'est pour donner du parfum. D'accord? Comme j'ai fait là. On apprend tous les jours. Hein. Même avec vous, j'apprends. D'accord? Donc, j'ai mis les clous de girofle. Là, j'en ai mis trois. Il faut toujours mettre un impair. Parce qu'elle m'a dit trois. J'ai mis les trois parce que je sais que c'est toujours impair. Donc, soit tu mets trois, soit tu mets cinq, soit tu mets neuf. Soit tu vois un peu, ou 7, mettez toujours les chiffres impairs. Voilà. Quand tu mets les graines comme ça, là, parce que ça a beaucoup de vertus et ça, ce côté un peu superstitieux et tout cela. Vous voyez un peu, non? Donc, mettez toujours des chiffres impairs. 3, 5, 7, 9 et tout. Voilà. Ou 11, comme vous voulez, mais impairs. Donc, comme j'ai mis ça, ça a parfumé mon riz. C'était un petit peu. Mais c'est demain à la cuisson que je vais faire normal, le matin. D'accord? C'est le matin que je vais faire ça pour accompagner, pour amener. Parce que je vais faire plaisir. Je vous ai dit ça que je faisais plaisir. Donc c'est ça que je vais prendre pour amener. D'accord? Je ne vais pas le faire ce soir. Sinon, ça sera plus pareil. Mais je vais le faire cuire le matin. Le riz, ça cuit vite. Donc pendant que je prends ma douche, allez, hop, je mets mon riz et puis ça cuit et je suis sous ma douche. Dès que j'ai fini, allez, je serre et tout. Tac, on couvre et puis, paf, parti. Coucou Clarisse, ça va? Voilà. Donc, c'est comme ça. Le Yassa qui a dormi, donc j'ai bien fait de faire ça la veille. Ben oui, parce que je n'allais pas me lever à 5 h du matin pour le faire. Bah oui, donc je l'ai fait la veille et là j'ai déjà servi. Donc j'attends que ça refroidisse et après je vais couvrir. Ok? Je vais couvrir, donc je vais juste porter ça comme ça. Pouf, et partir avec. Le riz, c'est le matin que je vais cuire ça. Ça y est, quand ils vont manger ça. Quand ils vont manger ça. Et c'est pour les white. Hein. C'est pour les white que j'ai fait. What? Hein. C'est pas le white mélangé. Dis que what? Le what? Si vous voyez un peu le genre là, oui, c'est le what? C'est le what que j'amène. Oui. What de chez what? Ils vont manger ça. Au bout de ça, on a fait ça ensemble, vous avez vu. Moi, j'ai mangé. Demain encore, je vais m'asseoir et vais manger avec eux. Oh, qui est yok ma batoune, t'avais pas ma batoune, demain là, on va chop ça ensemble. Oui. Le week-end, je suis disponible. Donc, ceux qui veulent commander, vous commandez. Il n'y a pas de souci. Et sinon, ben voilà quoi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit. Et puis, Doudou, lorsque ça passe la nuit. Ah, ben dis donc. En tout cas, je vais vous dire ça, non. Tata Doudou, tu laisses un peu au congélateur. Oh. Ouais, ma Chantal, j'ai dit qu'elle est au bout de ça. Aïe. Ce que je vais faire, je vais vous souhaiter une très bonne nuit, mes gens. Là, Nicolas est en train de profiter un peu. Moi aussi, ça me permet de digérer. D'accord? Clarisse, tu es seulement un. Donc, on va se souhaiter une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. D'accord? Je vous remercie encore d'avoir participé aussi nombreux à ce live de cuisson de Yassa. Merci d'avoir participé, aussi nombreux. Merci à tous ceux qui ont partagé. Je suis chez toi demain. Calme-moi la panthère. Tu es chez moi. Mon frère, tu as vu comment j'ai dosé le Yassa là, non? Ah non, c'est bon jusqu'à. Et là, on me certifie encore que demain, mais ça va être la chimamelu, la chimpate, quoi.
Mais demain, je vais vous dire non. Parce qu'on ne peut pas filmer. Ça, c'est, je serai dans un endroit demain où je ne peux pas filmer et tout. Mais si je vous dis, vous avez vu tout le poulet là, non? Qu'on est combien pour manger jusqu'à 2 poulets et demi? Parce que la dame, j'ai rajouté encore les cuisses de poulet. Non, c'est pour vous dire que je prends, j'amène. Hein? Je n'ai pas besoin de venir vous mentir ici. Moi, je ne suis pas une Vous menteuse. voulez bien encore pour demain? Oui, ok, Nicolas. Bon, là, on va se baigner. D'accord? On va se baigner. Il faut que j'aille m'allonger. Là, je suis redevenue celle-là. Franchement, 22 heures, vous avez vu comment mes yeux se ferment seuls, non? 22 heures, je suis déjà dans mon lit. Sincèrement, arrête de tourner autour de toi, Nicolas. Non, c'est pas bon. Non, on va faire ce qu'il y a à faire. Ok, mais vas-y alors. Il y a juste ça. Voilà, tu vois, il y a encore Attends, beaucoup de attends. choses que tu n'as J'écris pas, à la tente, Luc. eu à faire. Et donc, quand tu tournes comme ça m'énerve. On va se bénir, mes gens, on va se quitter. Je vous souhaite une très, 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 très bonne nuit. Une excellente soirée. Je crois à Pinez 18h. bien. Ok? Et puis, celles qui doivent qui chercher les enfants, là. Vraiment. Que celles qui vont vouloir avoir des enfants, Seigneur, bénis ma bouche, que tout ce que je vais dire à cet instant-ci, parce que toi-même, tu as dit au commencement, était la parole. Et alors, la parole bénit. Donc, moi, là, ma bouche que j'ai là aujourd'hui, tous, je vous dis, tous, et venez faire le témoignage, hein, parce que là, c'est très sérieux. Tous ceux qui vont passer là, à l'acte pour pouvoir faire un enfant, vous allez avoir. Vous allez avoir, au nom tout-puissant de Jésus, je vous le dis, en toute sincérité, en toute humilité, avec ma foi et l'amour que j'ai pour mon Dieu que je prie. Je vous dis que tous, ce soir-ci, on est en début du mois. Aujourd'hui, c'est le 1. On n'est pas encore au 2. C'est le 1 aujourd'hui. On est d'accord, non? C'est le 1 aujourd'hui. Donc, je prophétise que ce qui vont passer à l'acte aujourd'hui pour le désir d'un enfant, que le Seigneur vous l'accorde en son nom tout-puissant. Amen. Venez faire le témoignage. Parce qu'on attend ces grossesses-là qui vont arriver. Dieu va faire en sorte que vous allez bien avoir ces enfants-là avec tout l'amour, homme comme femme. D'accord? Amen. Voilà. Donc, les grossesses là, on attend ça vers, on est encore février, mars, avril, mai, juin. Vers juin là. Ou sinon, vous prenez vos téléphones, je vais entendre que Tata Doudou, tu te rappelles tes paroles de prophétie là, non? D'accord? Des paroles de prophétie là. Ça, je te le pose ici pour demain matin. Ok? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je ne parle pas beaucoup. Je ne vais pas trop rajouter parce que sinon, ça ne va plus donner. Donc, bonne nuit. Je vous aime. Merci pour tout. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège. Que la Vierge Marie autour de nos maisons viennent avec son manteau pour tous ceux qui vont venir là, qui ont les 6 yeux, les 10 yeux, les sorciers là qui viennent s'asseoir sur nos têtes pour nous empêcher de bien dormir. Hein? Parce qu'ils se sont transformés là. Que la Vierge Marie avec ses anges, qu'elle vienne là pour ramasser tous ces gens-là avec son manteau de protection pour qu'on puisse avoir le sommeil paisible. D'accord? Je vous embrasse, mes gens. Bonne soirée, bisous.